L'actrice américaine Louise Fletcher, Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans le film Vol au-dessus d'un nid de coucou de Miloš Forman, 1975, est décédée en France à l'âge de 88 ans, ont rapporté vendredi des médias américains. Louise Fletcher, qui avait deux fils, est décédée chez elle, à Mont-du-Ros dans le sud de la France, selon Variety et Deadline, citant des sources dans son entourage. Née le 22 juillet 1934 à Birmingham, en Alabama, États-Unis, Louise Fletcher avait utilisé la langue des signes pour remercier ses parents tous deux sourds en recevant son Oscar. Son rôle le plus marquant a été celui de l'infirmière Mildred Ratched offert par Miloš Forman, décédé en 2018, dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, dont le personnage principal était interprété par Jack Nicholson et qui lui a également valu le Golden Globe et le BAFTA de la meilleure actrice. Elle a ensuite joué dans des films comme The Player de Robert Altman ou L'Exorciste 2. Mais Louise Fletcher était aussi une figure de la télévision américaine, tournant dans des séries comme Les Incorruptibles ou Star Trek, Deep Space Nine. Louise Fletcher avait été nommée aux Emmy Awards pour ses rôles dans les séries télévisées Picket Fences, 1996, et Joan de Arcadia, 2004. Louise Fletcher avait encore joué dans deux épisodes du show de Netflix Girl Boss en 2017, selon IMDb. Comme.